Bonjour Frère Maxime, comment nous c'est JFL Cuisine Créole. Jean Fedor lundi qui rentre la caille, nous me dit nous merci. Merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous et merci pour partager nous, continuer à partager vidéo. Je dis à la m'a montrer nous comment pour nous nettoyer viande. Et je dis à son viande kabout me gen devant nous, mais n'importe quelle viande, m'a montrer nous comment pour nous nettoyer. Et puis en même temps tout, m'a montrer nous comment pour nous nettoyer crevettes. Mais viande kabout me devant là, je m'achète tout découpé. Qu'on a la m'a mettre le sous planche tant qu'on a pour mal nettoyer. Mais ça nous aide dans pays nous tirons sous. Si mon souvenir, ça sont ces des petits grandios. Moi, retire tu supplies des grandios. Nous, ça, mes grands noms, moi, jeter les. C'est pas bon. On dépose ça là. Deuxième chose, nous, qu'à retirer tout en coup, là, n'a pas gardé. Tout ça, c'est gros. Moi, enlever un peu. Je vais enlever tout parce que j'ai besoin là-dedans quand même. Regarde, moi, lever un peu gros. Mais en bas aussi, je vais retirer un peu gros. Yon bagay qui est très important lorsque nous avons nettoyé yon viande, nous pas supposé lever tout gras qui la donne là. Parce que viande là, il a besoin yon graisse, tout qui pour cuire. Une fois que mon fin bien nettoyé viande là, mais tout ça m'a retiré, on a qui ça m'a fait qu'on a m'a lavé viande là. Pour me laver viande moi-même, les m'a lavé viande moi mettez vinaigre là-dedans. Et moi mettez sel. Et qu'on a là, moi va laver viande. Pour qui ça moi laver viande moi avec acide et vinaigre là-dedans. Si toutefois m'veux tuer toute bactérie là-dedans, ben c'est la meilleure façon. Et voilà. Là, moi, je finis la ville avec vinaigre, citron, sel. Qu'on y a là, je vais vider de l'eau chaude sous lui. Mais une grosse bouteille de l'eau chaude, moi, je vais bouillir, moi, je vider là-dedans. Et voilà. Pendant que l'eau chaude là-dedans, tu as oublié de gagner sel là-dedans. Moi, juste font petit brassel. Normalement, une fois qu'on mettait de l'eau chaude là, je suppose qu'il le faire au moins un bon 2 à 3 minutes. Tremper là-dedans avant que je retire. On a quitté le fait 2-3 minutes tremper là, et puis après ça, je vais retirer. Quand il y a 2 à 3 minutes là, fini couler, on a retiré la viande moins. Tranquillement, on met l'autre côté. Mais la viande moins là, il y a un senti vraiment bon là. Ça, c'est lui-même qui nettoyage yon viande créole. Quand il y a là, même venir avec crevette là pour montrer nous comment pour nous nettoyer crevette là. Généralement, les gens qui vivent à l'étranger, très souvent, quand vous pouvez acheter une crevette, vous avez besoin d'un sac et puis vous videz là comme ça. Là, vous avez devant nous là. Mais, advenant des cas où vous avez un pays ou en Haïti, vous avez une crevette là. Vous avez une crevette là comme ça avec toute partie qui est en bas là, mes pieds. Qui soit à peine fait ou à peine prend main ou, vous mettez la tête là, là avec main ou, pas besoin d'un couteau là. Vous prenez ou mettez mon en tête là et fait comme ça. Je vais faire pour nous. Comme ça et puis la venez casser. Ok? Une fois que vous finissez de casser la crevette là comme ça, vous prenez un couteau, vous venez sous dos la crevette là. Et puis vous allez faire un petit trou. Vous passez le couteau à la mi-temps de ce trou là. Vous privez la mi-temps. Vous passez la mi-temps et vous quittez une ligne. Voilà, une ligne qui est là. Vous ne pouvez pas couper la ligne. Vous allez voir comment vous allez décortiquer la crevette là. Lorsque vous allez décortiquer la crevette là, vous prenez le sang. Ou fouer mon couteau de prendre là ou faire ça. Moi, pas décortiquer pour moi retirer tout qui est là. Retirer tout qui est là. Voilà, si je fais ça, pour quitter le cœur là-dedans, c'est parce que c'est le cœur qui va le kembel pour le rester ferme. Pour qu'il ne vienne pas faire un petit ployer, un petit bagage tout petit comme ça devant. Ok? C'est pour ça. Et l'elfine cuit tout, et l'eau cuit tout lorsqu'on va le manger, ou supposer juste peser petit point qui est là, ou à peine peser petit point là, et puis qu'on a là, ou à peine râler. Crevette là, elle est sortie. Qu'on a la bombe, continue à nettoyer la crevette là. Qu'on a la lifé nettoyer là, c'est mon thème de vous montrer comment pour nous nettoyer, décortiquer la crevette. Venez juste mettre de l'eau froide là-dedans, passer sous l'eau.
comme c'est montré m'a montré nous comment pour nous mariner une viande cabrit et puis comment pour nous décortiquer crevette moi montré nous crevette là moi t'ai montré nous viande cabrit là déjà qu'on a là m'a aller juste prendre là contrôler là m'a venir mettre autour des ensemble et puis nous pral wel et puis comme ça là nous pral cuire nous pas besoin faire rien encore sauf les bal citron ça c'est ou même normalement un bon crevette pas bouilli pral. Lorsque nous finissons de saisir la saumon, nous allons garder, nous allons voir qui ça s'abonne. D'accord? Avec nous, ni crevette la mettre là-dedans, c'est vraiment beau là. Non? C'est très beau. Ok? C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédolin dit, votre chef à la maison, traiter la canon. Merci, au revoir.